Hey everyone, this is Melissa and Nyan from My Eternel, and we're going to do a little Q&A today, and we have some special news for you. Oui, on a reçu donc l'album qui est là. On l'a reçu bien avant la date prévue. Donc du coup, voilà, l'album est là. Hop, c'est un petit pack. Tac, tac. Donc du coup, tous ceux qui ont commandé l'album en pré-vente, au lieu de l'avoir en décembre, vous allez l'avoir la semaine prochaine. Dans les jours qui viennent. Yeah, and we also are going to include for all those that ordered in the United States. And the reason why only in the United States is because unfortunately we can't ship perfume samples overseas. It's really lame and fucking sucks. But for all of those of you in the United States who order, we'll get perfume samples. And these are these were created for My Eternel by Aziza World Fragrances. She does an amazing job. I would describe the women's, which is the pink bottle, as it's kind of like this cool mix of like almond, cherry, some other kind of plum fragrances in it. And the men's fragrance is really awesome too. Yeah, it's very awesome. And it's Et ça sent vraiment super bon. Et voilà. C'est. Donc on remercie Aziza pour ça. Et ça, il y a une petite couverture avec. Donc on met des échantillons dedans. Yeah, we're really excited about that. So we hope you guys all enjoy it. Okay, so we have some questions from some of you folks out there who are wondering about My Eternel because we're a new project. And so we thought we would open it up and just kind of ask some questions that maybe you all wanted to know about. So the first one is from my girl Grisel in Mexico. She asks, how was My Eternel born? So basically, Jan and I had sort of a mutual interest in creating a more atmospheric, kind of ethereal music project. We had worked together on an Odd Inferna album, Immortal, and we had great synergy, and so then we just decided that we wanted to create something that really encompassed how we felt about each other, because we kind of fell in love in the process. And that was really how we sort of bridged the distance. Obviously he's from France and I'm from here, and that was sort of our language. And so the songs are really pure, they're really true. And we hope that anybody that has sort of either been in our situation or just feels such an intense love for each other or love for anything really will feel this in them. So yeah, we'll connect with it. So we have another question from Maria, and she asked what kind of music we did before. Melissa était dans metal puisque elle était chanteuse de Vision of Atlantis, Ash Madeva, et maintenant elle est dans Flag of Star. Classique aussi, elle est prof de chant, donc elle touche un peu à toutes les musiques, allant de la musique classique jusqu'au métal. Et toi? Super cool. Hein. Et moi, je suis dans Ad Inferna à côté de ça. Donc c'est difficile à décrire. Ad Inferna, c'est super compliqué en fait comme musique, parce que c'est pas. Aujourd'hui, on est plus dans l'électronique. Ça reste un projet super, super dark, super. Donc, rien à voir avec My Eternel, vraiment. On a commencé en 2000 avec le premier album, on faisait black metal. Et on est passé ensuite sur la scène électronique il y a quelques années. Voilà. Donc, mais c'est des projets qui n'ont rien à voir du tout. Vraiment, c'est super éloigné de My Eternel et on n'est pas du tout sur la même scène. Hein. Et elles non plus d'ailleurs, elles non plus, parce que avec Plague of Star, c'est super bien ce qu'ils font, mais par contre ça n'a rien à voir avec My Eternel. Enfin, je pense que dans My Eternel, elle est beaucoup plus sa voix est beaucoup plus mise en valeur. On a fait cet album vraiment pour mettre en valeur tout son côté classique, néoclassique,
vraiment son côté, pas le côté diva, parce que c'est un terme un peu péjoratif pour moi, mais vraiment le côté émotionnel en fait de sa voix. C'est ce qu'on a voulu faire avec cet album, et ça fonctionne pareil. The next question is from Vivica, and she asks, where do we want to see the project in a few years? And one thing that Jan and I have been sort of talking about is that because it's just the two of us, and because the music has such a bigger feel to it, it's got, it really plays on a lot of different senses, that we didn't want to just put together something that was just us on stage with maybe a few musicians. A few things that we've been exploring with some local artists here in Minnesota is to bring in dance, to bring in visual artists, to put, you know, artwork on stage and have it be this whole big experience, having video projections and working with some video artists. So it would probably be more of like a theater stage show than like a club stage show, though I think it could probably be good for either one. So we're not there yet, but hopefully, you know, within the year we'll actually have something developed out that we can then maybe start to book some shows. But it wouldn't just be Jan and I, it would be musicians, artists, visual artists, and a whole kind of host of, when you come to a show, it's a full experience, something that's theatrical and something that is sort of plays on all of the variety of senses, not just your ears. Yeah. This next question is from Michaela, and she asks, how would we describe our music? It's sort of hard to classify what we do. I mean, it's a little bit of neoclassical, it's a little bit of romantic, it has some gothic elements, it has, you know, with La Flamme, it's a tango song, you know, he doesn't think it's a tango, but I think it's a tango, like a dark, awesome tango. And, you know, but there are elements of the atmospheric, there are elements of ambient, there are elements of electronic and dark wave. So we really don't know how, I suppose that does describe our music, but how to really classify it has been a challenge for us. En fait, c'est le problème quand t'écris un album et tu sais pas, au départ, tu connais pas la direction. Nous, quand on a monté ce projet, on n'avait pas de au départ, il n'y avait pas un réel but en fait de sortir un album avec My Eternel. Aujourd'hui, c'est pour ça que c'est dur à décrire. C'est qu'on est sur la scène. Je pense qu'on est sur la scène atmosphérique. Je pense qu'on est sur la scène ambient, dark age, new age. All right, this next question is from Jorge, and he asks, where we get our inspiration from? This album, you mean? Yeah. Us. Us, yeah. C'est hyper facile de répondre à cette question, parce que c'est, il n'y a pas d'autre inspiration, si tu veux, que... Ouais, c'est stupide à dire, mais c'est, en fait, l'inspiration, elle est venue de nous-mêmes. Pour la musique, c'était super compliqué parce que moi j'étais en France, elle était aux États-Unis, donc c'est une inspiration naturelle en fait qui venait. Et je pense que ça a été naturel en fait. On n'a pas vraiment cherché à avoir une inspiration artificielle. Yeah. And I don't know if you covered this, but lyrically. Yeah, absolutely. All the lyrics are really about, you know, the last year for us and all that we really went through and the feelings that we went through. And, you know, we really strived to create something that was pure and true in a way that I think either one of us maybe hadn't really put into music in such a raw way. This next one is from Philippe Mara, and he asks, how did we meet? C'était l'an dernier avec mon autre groupe, donc avec Eninferna, sur lequel en fait pour le dernier album qu'on a sorti, donc qui s'appelle Immortel, qui est en vente sur la scène musique, on a
on a donc cherché, on cherchait donc des chanteuses pour chaque morceau. Et mon chanteur, donc Arkames, qui rentre en contact avec, avec Mélissa, c'est pas moi qui suis en contact avec Mélissa, c'est Xavier. Il m'a envoyé un mail pour me dire que, voilà, qu'est-ce que tu en penses de cette nana, comment tu sens une éventuelle collaboration. Ça m'a plu parce que j'ai écouté des passages de ton festival d'an dernier, du metal. Female Metal Voices Festival. Mm-hmm. Et j'ai dit oui. On a été super super content de la collaboration. On a beaucoup discuté avec Mel. C'est par ce biais-là en fait qu'on a vraiment rentré en contact pour essentiellement pour le dernier album, pour le dernier morceau de j'ai des problèmes pour parler en ce moment. Pour le dernier morceau d'Immortel, on a vraiment discuté de ce morceau-là parce que ce morceau était super important en fait, pour moi. Et donc on est vraiment rentré dans une autre dimension pour au niveau musical pour décrire le morceau et puis pour qu'elle puisse comprendre en fait ce que je voulais, ce que voulait Xavier dessus. Et on est rentré en contact là-dessus, puis on s'est vu très rapidement après. Et ça a super bien collé. Et donc on a décidé de monter ce projet-là. D'abord avec une track qui était comme je disais tout à l'heure en fait pas du tout destinée à finir sur un album, mais voilà, il se trouve que la première track a été super convaincante. Okay, so this next question is from Jorge, and he wants to know our opinion on drugs, bullying, and emos. And you know, bullying is—it's just awful. I work in the education field during the day, and I've seen it happen with kids. I think it's awful. I think it's Neanderthal behavior. I think we are so much farther on the path of human evolution than to backtrack. And you know, honestly, if you see anybody doing that, if you see anybody doing it, just stop it. Step your foot in. Stand up for somebody else. Okay, be a human being and end the fucking violence, because it's destroying us as a society. It destroys us on basically every single day in countries across the world. This is why we get into wars, because people think that they can overpower others by acting like fucking jackasses. So that's my opinion on bullying. I think when we can put an end to bullying at a young age, there will not be any more wars. There will not be any more of this trying to overpower other human beings. So, do you have any thoughts? And as far as emos, you know what? Emos are just modern day goth kids, and unfortunately they take the brunt of a lot of abuse. And I think, again, that's just another form of bullying. You know what? Just end it. Stop calling other people names and just let other people be. You know? That's all I have to say about that. Okay, this last question is from Orly, and she asks, when do we plan the second album? On va déjà attendre que celui-là soit compris entre guillemets par les gens, et on a déjà commencé en fait à composer quelques petites bribes, parce que ça va être le prochain album va être en relation avec celui-là, pas sur le même thème, ça va être un autre thème, mais par contre on veut vraiment faire quelque chose qui soit très très proche de cet album, tout en traitant un nouveau sujet. Donc on sortira d'ici un an, on va compter un an. Great. So that's all we have. Make sure you get our album. It's waiting for you. And like Jan said, you know, we are going to be mailing these out Monday morning. So all of those of you who have pre-ordered, you're going to get them probably in the next few days if you're in the United States, or maybe in a week if you're outside the United States. So if you order it now, you're actually going to get it before the release date, before all those people that just buy iTunes tracks will get it. So be one of the first. All right. Thanks so much. We'll see you later. Bye.